Nous sommes quatre médecins. Ces quatre médecins, nous nous partageons les heures. Quand je suis à l'hôpital général, je respecte l'horaire de l'hôpital général. Et à ce moment-là, il y a les autres médecins qui couvrent à la polyclinique. Et si je suis aussi à la polyclinique, c'est-à-dire je suis off de l'autre côté. Sinon, l'horaire n'est pas perturbé et dans ce sens-là. Et en rapport avec la troisième question, et sur cette stratégie que nous avons, et la stratégie que nous avons ici vraiment est venue de notre éthique et déontologie. Puisque c'est comme nous avons notre devise qui est écrit là-bas, la santé d'abord. Puisque ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on nous a conseillé à l'école, avant tout, c'est la santé, l'argent vient après. C'est pourquoi vous voyez, nous accueillons nos malades et nous donnons les soins, l'argent suit après. Nous respectons seulement la déontologie qu'on a prise à l'école. Merci beaucoup. Alors, docteur, face aux difficultés que vous connaissez, parce que vous avez enregistré plusieurs difficultés, entre autres carence du courant, ici à Kitenta, il n'y a pas du courant, de plus, les familles qui, leurs membres décèdent à l'hôpital, certaines familles partent sans revenir payer la facture. Alors, à ce niveau-là, comment vous pensez améliorer les conditions de travail? Ok, en rapport... présentement, nous manquons des solutions sur les malades qui partent sans toutefois revenir. Là, nous demandons seulement c'est la conscience de tout un chacun. Hein? Puisque moi et mon malade c'est mon client. C'est difficile que je sois avec mon malade, par exemple, à la justice. Hein? Là, c'est impossible puisque je respecte mon client. Je ne peux pas l'amener à la justice là. Je demande seulement la conscience de tout un chacun. Même s'il y a un décès, c'est mieux de revenir pour payer la facture. Et je manque aussi une solution, comme je l'ai dit. Le courant, sinon j'avais vu le directeur le concernant. Hein, il m'avait dit d'attendre. J'étais passé là au moins deux ou trois fois successives. Il m'avait dit d'attendre jusqu'à ce qu'on va... qu'on va mettre un transformateur du côté Kitenta, là nous serons maintenant reliés. C'est alors nous attendons, maintenant on ne sait pas quand, sinon nous sommes toujours patients et nous sommes en train de nous débrouiller avec les moyens de bord en payant les panneaux et les batteries. Vous avez projeté un projet de l'amélioration des conditions d'accueil ici, d'ici 2021, nous sommes déjà. Oui. Et si nous regardons bien la position de la cour de la bénédiction, la cour est presque limitée. Comment vous envisagez améliorer cela pendant que vous n'avez plus suffisamment d'espace ou à l'intérieur de la bénédiction? Améliorer les conditions, c'est-à-dire, je sais que ma parcelle est très limitée. Je vais améliorer maintenant les conditions, c'est à l'intérieur, dans les chambres des malades. C'est là où je vais améliorer maintenant les conditions. C'est-à-dire, il y a quelques conditions que moi-même je connais, que je vais améliorer pour mettre nos clients vraiment à l'aise. Ma préoccupation, nous avons appris que vous changez l'équipe du corps médical ici chaque fois. Est-ce que c'est parce que vous ne le payez pas bien ou bien c'est les stratégies de bien fonctionner chez vous? Non, sinon le corps médical, on ne les change pas. Hein, on ne les change pas. Et c'est comme je vous ai dit avant. J'ai dit que aujourd'hui nous sommes maintenant 24. Si on est 24, avant on n'était pas ces nombres-là. C'est-à-dire nous avons ajouté. Il y a quelques agents qu'on a ajoutés. Et depuis qu'on a commencé, j'ai dit toujours à mes agents, chaque agent est libre. Il y a un agent qui était parti à l'ONG. Vous connaissez déjà les conditions des ONG. Peut-être à l'ONG là, elle est bien payée, c'est-à-dire elle est partie là. On a fait une lettre de mise en disponibilité, c'est-à-dire c'est notre agent. Il va revenir après le contrat de l'autre côté, il reviendra laisser une vacance ici. Elle a été remplacée en attendant qu'elle revienne. Et à part ça, il y a aussi un agent qui est affecté
dans le compte du bureau central des zones de santé de Kansimba. Lui aussi est parti. Sinon, à part ces gens, les autres, nous les avons depuis le début et nous continuons avec eux. Auparavant, quand la polyclinique ouvrait ses portes, oui, le maman recevait du thé, j'aimerais dire, du thé ici, après accouchement. Oui. Mais ceci, sans s'attendre plus ces derniers jours, et surtout au courant de l'année 2020, okay, est-ce que c'était une façon d'attirer la clientèle de vos patients pour que, enfin, vous puissiez abandonner vos clients en cours de route? Non, sinon, cette stratégie, pour nous, c'est une routine. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Même quand vous passez maintenant à la maternité, là, il y a une accouchée, j'ai vu, on préparait pour elle du thé. C'est-à-dire, cette stratégie continue jusqu'à aujourd'hui. Hein? Ça continue. Les mamans, les accouchées sont en train de recevoir du thé chaque jour jusqu'à leur sortie de l'hôpital. Et puis, peut-être la dernière question, okay, pour moi. L'année passée, parce que nous sommes déjà dans l'année 2021, oui, l'année 2020, on avait répondu beaucoup ici à l'hôpital, à la polyclinique, des morts qui se répétaient. Ceci était dit à quoi? Non, sinon, parler des morts qui se répétaient, là, c'est très lourd, puisque les morts, on les trouve partout. Hein, on les trouve partout. Je ne sais pas cette période-là qu'on a constaté ça. Je pense que la période passée, les constats qu'on a faits, il y avait au moins 3 morts successives. Les 3 morts-là, ce sont les morts qui se sont suivis dans des jours comme ça, encore des grandes personnes. C'est ce qui avait stimulé plus la population, soit disant que non, oh, à la bénédiction, il y a trop de morts. Et vous voyez, quand la structure est là, il y a ceux qui peuvent parler des bons de la structure, ceux qui sont pour, et les autres aussi sont là pour dramatiser la situation. Sinon, en bref, c'est ça, il n'y avait pas vraiment des morts exagérés, mais ce sont plus les 3 cas là qui se sont suivis dans les 2 jours. Oui, merci beaucoup. Okay. Si nous pouvons un peu revenir sur les difficultés que vous avez épinglées. Oui. Vous avez parlé que parfois il y a les patients qui arrivent et sortir après avoir été soignés, oui, sans toutefois payer. Oui. Est-ce que ça ne peut pas endommager votre projet? Parce que c'est vrai, chaque patient doit payer l'argent avant de sortir pour aider la structure à aller de l'avant. Est-ce que vous ne voyez pas que ça peut vraiment endommager les services de cette polyclinique? Oui. Aussi, nous voulons aussi parler de cette question. Et nous sommes en période de la maladie à COVID-19. Comment vous faites la communication de sensibilisation avec les patients, avec les mamans qui entrent ici, peut-être pour garder les malades, pour venir visiter la polyclinique? Aussi, il y a cette question. On veut savoir, il y a donc la catégorie des malades qui doit être reçue, où vous recevez tous les malades en général. Ok. Ça va, je pense que la première question, l'âge qui est à côté de moi, il pourra vous répondre la première question. Oui, là, je vous avais la question. Merci beaucoup. Okay. Moi, je m'appelle Maurice, je suis le gestionnaire de la polyclinique. Par rapport à cette question que vous venez de poser, par rapport aux malades, peut-être qui meurt parfois et il s'en va sans pourtant revenir, et il y a celle-là peut-être qui évade sans pourtant revenir, oui, ça peut vraiment créer un peu des situations vraiment très mauvaises par rapport à l'évolution de la polyclinique. Pourquoi? Parce que tous les malades qui viennent, par rapport à notre devise, nous avons une pharmacie et les malades, quand ils viennent là, nous les soignons avec notre produit et quand ils partent sans payer, c'est-à-dire nous faisons une manque à gagner. Raison pour laquelle ça peut se répercuter, on aura toujours des déficits dans notre pharmacie. Pour recycler la pharmacie, ça serait un peu difficile. Et ça, c'est par rapport à la question que vous aviez posée. Et comment ça se passe la communication, peut-être pour sensibiliser les patients, la population de Moba en général?
pour quand même, s'ils viennent ici pour être soignés, qu'ils puissent aussi essayer de répondre aux conditions de la polyclinique. Vraiment, chez nous, il n'y a plus beaucoup de conditions vraiment compliquées. Comme le médecin a dit au départ, nous accueillons les malades, nous les soignons. Quand le médecin a évoqué ce point qui est clairement négatif, c'est juste quelque chose que nous avions constaté. On dit que les maladies peuvent venir, on les soigne sans difficulté, mais la condition que nous sommes en train de dire, c'est juste à ceux qui partent sans pour autant honorer la facture. Nous les prions quand on les soigne et qu'il y a peut-être une incidence, parfois c'est la mort, on ne sait pas, peut-être c'est un transfert. Quelqu'un quand il part, après avoir peut-être pigé 2 ou 3 jours, il demande peut-être la sortie elle-même. Et rien n'empêche, il peut aller, il revient, il paie juste la facture de ce qu'on a posé comme acte d'alière. Oui, je pense que c'est ce que là je viens de dire. Hein, sinon, c'est un manque à gagner, comme il dit. Et ces gens-là sont considérés toujours, on les catégorise dans la classe des indigents. Hein, ça, c'est déjà une perte pour la structure. Il y a aussi la question, vous avez dit, en rapport avec le Covid. Hein, il y a une question que vous avez dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, sinon, ici chez nous, pour les visiteurs et nous-mêmes, nous avons déjà disponibilisé un point de lavage. Hein, tout le monde, avant d'entrer ici, a un point de lavage. Il se lave les mains. Nous avons avec nous un thermoflash que nous utilisons, qui est à côté de nous, que vous voyez là, le thermoflash. Hein, tout ça, c'est pour détecter s'il y a les cas suspects. Et chez nous ici, les infirmiers, quand ils soignent, ils portent toujours les gants. C'est pourquoi quand vous passez dans les locaux là-bas, vous voyez les infirmiers en train d'administrer les soins, ils portent toujours les gants. Ça, ce sont quelques mesures, et le port des cache-nez aussi. Nous avons le cache-nez, l'honorable Christian Mwando nous a envoyé aussi quelques cache-nez, un lot de cache-nez que nous utilisons ici. Même le thermoflash ici, c'est le don de l'honorable Christian qui nous a envoyé ça. Sinon, c'est dans ce sens-là que nous gérons quand même les cas de Covid, c'est-à-dire nous utilisons quand même les mesures barrières. Ici chez nous, nous recevons tout le monde. Il y a égalité aux soins. Pour les soins, il n'y a pas un riche ni pauvre. C'est-à-dire nous recevons tout le monde équitablement. Nous connaissons, c'est une polyclinique. Oui. Dans la première analyse, on devrait connaître le type de soins, les services que vous êtes en train d'organiser ici. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Sinon, en rapport avec les services organisés, nous avons d'abord 4 services de base. Si on parle des 4 services de base, nous voyons la médecine interne. Hein, la médecine interne, nous voyons la pédiatrie. Il y a la chirurgie et la gynéco-obstétrique. C'est-à-dire tous les 4 services de base, nous en avons.